Salut, c'est Maps. Aujourd'hui, pour une deuxième fois, nous sommes à la recherche de la pépite rose. Donc, j'ai déjà fait une première partie à ce concept. J'ai classé en termes de rose 57 suggestions que j'avais reçues sur Instagram. Et là, j'ai fait un tri. Donc, il y a deux catégories qui étaient rose ou touche de rose qui ont été expulsées de ce deuxième tier ranking. Et aujourd'hui, on va lire les résumés des roses qui sont encore en course pour faire un petit choix sur ce que j'aimerais lire de roses. Ça va se faire au mois de février. Je pense que ça va bien adonner. Donc, il faut que je commence ça avant. Il faut que je fasse mes choix avant. Il y a déjà des titres, je vous dirais, qui ressortent avant même que j'ai lu le résumé. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Aujourd'hui, on a une charte beaucoup moins élaborée que la dernière fois. Donc, on a tout simplement oui, lorsque j'aime le résumé. On a peut-être, pas décidé. Et on a non, ça c'est définitif. Et on a j'ai rien compris. Ce qui est une catégorie, ma foi, quand même assez importante parce que ça m'arrive et que parfois les résumés sont pas tant compréhensible pour ceux qui l'ont pas lu, mais compréhensible lorsque tu l'as lu, alors que, en tout cas, ça n'a pas tant de sens. Mais tout ça, aujourd'hui, n'est pas le sujet. On va y aller. J'ai déjà fait des photos, des screenshots, des résumés pour prendre l'avance un peu, là, pour que cette vidéo-là prenne pas une éternité à faire. On a en premier Girlhood de Kat Clark, qui était vraiment un rose pétant. Ici, sur Babelio, j'ai l'amitié, c'est comme une allumette. Il suffit d'une étincelle pour se brûler les doigts. J'ai sombré quand ma sœur jumelle est morte et mes amis m'ont reconstruite morceau par morceau. Depuis, je pensais que jamais rien ne pourrait nous séparer jusqu'à ce que débarque cette nouvelle fille. Intriguant, je peux pas dire que c'est nécessairement les sujets qui m'interpellent le plus. J'ai l'impression aussi que c'est quand même young adult, donc je vais le mettre dans peut-être. Allons par la suite avec Rentrer son ventre et sourire. J'ai l'impression de connaître déjà ce livre-là, tant j'en ai entendu parler. Mais bon, hein, pour le bien de la chose, de Laurence Beaudoin-Masse. Tous les jours, Ellie motive ses centaines de milliers d'abonnés à devenir la meilleure version d'elle-même. Bien loin de l'adolescente complexée qu'elle était, elle est maintenant en couple avec le chanteur Samuel Vanasse et figure parmi les influenceuses les plus populaires au pays. Elle a réussi. Elle brille. Et pourtant, entre l'obsession du poids idéal et l'envie irrésistible de garrocher ses verres d'eau sur les murs, une idée la hante. Et si, à tellement vouloir devenir tout ce qu'on attendait d'elle, elle s'était perdue en chemin. Je suis pas certaine qu'un résumé comme ça m'aurait accroché, mais j'ai tellement entendu de bonnes choses de ce livre-là, et de différentes personnes avec souvent des idées diamétralement opposées. Donc, je pense que je pourrais bien fitter avec ce livre-là, malgré tout. On y va avec Soi d'Alessandro Barrico, qui est, en tout cas, je doute encore aujourd'hui, vraiment rose, mais bon. Vers 1860, pour sauver les élevages de vers à soie contaminés par une épidémie, Hervé Joncourt part au Japon. Entre les monts du Vivarais et le Japon, c'est le choc de deux mondes, une histoire d'amour et de guerre, une alchimie merveilleuse qui tisse le roman de fils impalpables. Des voyages longs et dangereux, des amours impossibles qui se poursuivent sans jamais avoir commencé, des personnages de désir et de passion, le velours d'une voix, la sacralisation d'un tissu magnifique et sensuel, et la lenteur des saisons et du temps immuable. Là, il y a comme des émotions diamétralement opposées qui surgissent en moi. Parce que les amours impossibles, c'est des thématiques que j'aime vraiment beaucoup, mais lenteur du temps immuable, ça me fait peur. Donc, je sais pas si c'est le genre de livre qui pourrait me plaire. Il y a un aspect historique que je pourrais aimer, je vais le mettre dans « peut-être ». On y va avec « Le sommeil des loutres » de Marie-Christine Chartier. Jake a 21 ans, mais il a parfois l'impression d'en avoir 100. C'est ce qui arrive quand on grandit trop vite, sous le feu des projecteurs. Jeune acteur prodige, son succès est cependant de l'histoire ancienne et ses récentes frasques l'ont fait tomber de son piédestal pour atterrir dans sa chambre d'enfant chez ses parents.
Jake mène une vie grise. Il cherche des raisons de la poursuivre, mais elles se font aussi rares que le plaisir dans ses journées sans soleil. Emily a 18 ans. Elle entame sa dernière année de cégep. Ambitieuse, elle rêve de devenir médecin. Elle rêve. Toutefois, elle a une faille de la grosseur du Grand Canyon au travers du corps depuis que son premier amour l'a laissée au début de l'été. Mais derrière cette douleur s'en cache une autre, plus profonde encore, celle créée par son père le jour où il a quitté sa famille pour refaire sa vie. Emily aimerait se reconstruire, mais les morceaux sont petits et le casse-tête interminable. En apparence, Emily et Jake n'ont rien en commun, sauf leur blessure béante au cœur et leur travail à la pizzeria du coin. Et pourtant, au fil de leur soirée Sprite et placotage, une relation précieuse se tissera entre eux, empreinte de l'espoir que l'aube revient toujours, même après la plus sombre des nuits. En lisant, là, j'ai vécu des montagnes russes. Parce que... oh, ça va-tu faire prétentieux? J'ai l'impression que à 21 ans puis à 18 ans, on est dans des moments de fin du monde pour cet âge-là. Est-ce que c'est mal de dire des choses comme ça? Passer au travers de son premier amour, on y met tellement d'importance à ce premier amour. Mais en même temps, j'aime beaucoup la fin, que c'est comme une amitié qui va se développer au fur et à mesure, puis qui vont développer de l'amour éventuellement. Je ne sais pas. Mais j'ai déjà lu du Marie-Christine Chartier, puis j'avais apprécié. C'était pas cette prémisse-là, par contre. Je vais le mettre dans peut-être. Pas gagné ici, là. Pas facile. Ataraxie. Il me semble que Emma Chalectrice avait lu ce livre-là, puis je me semble pas qu'elle était si vendue que ça. Une perfectionniste en quête du sublime est séquestrée par son amant, qui la livre aux sévices de Rosette, la coiffeuse torsionnaire. Moi, les cheveux, là. Sans scier et avec un aplomb sidérant, Caroline George nous entraîne dans un huis clos insolite où s'affrontent animalité et post-humanisme. Note. Roman décoiffant sous tous les angles. Ataraxie comporte des chapitres flottants qui constituent une dimension virtuelle et intemporelle du texte. Ils peuvent donc faire l'objet d'une écoute à n'importe quel moment de la lecture. Les puristes opteront pour une posture allongée sur le dos, écouteurs aux oreilles, yeux fermés, avec en bouche un soupçon de menthe, de cannelle ou de gingembre. I'm sorry? May I beg for your pardon? Je comprends pas. Ben, j'ai compris des choses, là, mais je sais pas, est-ce que ça se veut plus comme, ben, pas horreur, mais tu sais, thriller. Moi, les cheveux, je suis pas sûre que c'est quelque chose qui m'interpelle tant que ça. I'm confused. On va avec Stephen King. J'ai lu un Stephen King à ma vie que j'ai DNF, avant d'être cette personne qui DNF facilement. Donc, c'est ça l'impression que j'ai de Stephen King pour moi, parce que ça correspond vraiment pas à mes goûts. On me dit que j'avais pas commencé avec le plus facile, j'ai commencé avec Bazar, qui est très ambiance, etc. Est-ce que Chambre 1408 serait mieux pour moi? C'est une bonne question, j'en sais rien. Dans une maison abandonnée ou dans le donjon d'un vieux château, votre incrédulité peut vous servir de protection. Dans la chambre 1408, elle ne fera que vous rendre encore plus vulnérable. Mike est écrivain et chasseur de fantômes. Non pas qu'il y croit lui-même, bien au contraire. Jusqu'ici, rien n'est encore parvenu à vaincre son scepticisme, rien, jusqu'à cette enquête qui le mène à l'hôtel Dolphin de New York, réputé pour sa tristement célèbre chambre 1408, une chambre supposément hantée. J'aime les enquêtes, pas trop souvent, mais de temps en temps. Mais en même temps, l'aspect horreur que je risque peut-être de pas aimer. Allons à Bridgerton de Julia Quinn. J'ai un aveu à vous faire. J'ai pas lu les Bridgerton. Ça, vous le savez, peut-être, possiblement. Ben sinon, vous le savez là. Mais je vais lire le résumé, même si j'en ai entendu parler beaucoup de Bridgerton, ça aussi. Sauf que je pense que je vais faire un vlog pendant ma semaine de mars, puis je vais me taper tous les Bridgerton. Tant qu'elle est commencée, je vais commencer puis je vais finir. Puis ça va être comme un vlog avec, ben je viens de le dire, avec toutes les Bridgerton. Fait qu'en tout cas, même s'il passe à oui, je pense que je le lirai pas pour le concept.
Renié par son père, Simon Hastings a eu une enfance solitaire. Après de brillantes études et de nombreux voyages, il rentre en Angleterre, maintenant porteur d'un titre prestigieux. Résultat, il est assailli par une horde de mères prêtes à tout pour marier leur fille. Mais Simon ne s'intéresse pas aux débutantes. Daphne Bridgerton, elle, rêve de mener sa vie comme elle l'entend, un plan machiavélique se forme alors dans leur esprit. Donc, il y a cet aspect-là historique que j'aime bien souvent. Donc, je vais le mettre dans peut-être, mais... Oh non, 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 non. Je vais le mettre dans peut-être, mais je vais le lire plus tard. 2,5. Ça, c'est un livre que j'avais jamais entendu parler, de Caroline Fouché. Pas grand-chose sur Goodreads. Pareil qu'il faut pas passer devant le four pendant que le gâteau monte. L'affaire, c'est qu'un 2,5, c'est vraiment pas grand. Surtout s'il faut que j'évite ma cuisine, qui est aussi mon salon, qui est aussi ma chambre. C'est tellement petit, ça se pourrait pas pour deux personnes, encore moins pour trois. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Je sais pas si c'est écrit comme ça dans le livre, pas de point, pas de virgule, pas de majuscule, mais c'est ça qui est marqué dans Goodreads, puis c'est un peu... comme c'était un peu difficile à... C'était pas fluide, c'était pas facile. Je vais le mettre dans oui. J'aime le ton, j'aime ce qui est marqué. Ça en dit pas gros, mais je pense que ça pourrait être des thématiques qui m'interpellent. Ici, la chair est partout, by William Lessard Morin. Pourquoi je dis William? William Lessard Morin, probablement? Cette page couverture ne m'interpelle pas, par contre. Ici, la chair est partout, ce sont des nouvelles peuplées par les silhouettes plus ou moins précises de personnages hantés par l'idée qu'ils se font du bonheur et qu'ils pourchassent parfois au mauvais endroit. Ici, la chair est partout, c'est l'amour rejeté, l'amour souffert, l'amour espéré, l'amour à venir, l'amour vécu par le garçon qui aime les garçons et qui s'est égaré entre les paradis artificiels et la dureté du béton de la ville. Des résumés comme ça, ça dit comme rien. Comme de quoi ça va parler, ça va être autour de la thématique de l'amour, ça va être philosophique, ça sera pas philosophique, je sais pas. J'aime pas des résumés comme ça. J'ai quasiment le goût de le mettre dans le nom, tu sais. Nine Women, One Dress, il est qu'en anglais, by Jane L. Rosen, à moins que je me suis trompée, mais je l'ai cherché en français puis je ne l'ai pas trouvé. Puis ça me semble être une histoire de chick lit ou de romance bonbon qui ne me plaît habituellement pas, donc je l'ai mis dans le nom, mais en tout cas, je vais regarder un peu, mais je le lirai pas parce qu'il est en anglais. A charming, hilarious, irresistible romp of a novel that brings together nine unrelated women, each touched by the same little black dress that waves through their lives, bringing a little magic with it. Ça, ça me fait comme passer à quatre filles et un jeans. Moi, l'aspect que je trouvais le plus ridicule, c'est l'affaire du jeans. Natalie's a Bloomingdale sales girl mooning over her lawyer ex-boyfriend who's engaged to someone else after just 2 months. Felicia has been quietly in love with her happily married boss for 20 years. Now that he's a lonely widower, she just needs the right situation to make him see her as more than the best executive assistant in Midtown Manhattan. Andrea is a private detective specializing in gathering evidence on cheating husband, a skill she unfortunately learned from her own life, and can't figure out why her. Nope. Claire Loup, mes premières fois. Le premier roman de Claire Loup raconte avec brio et humour l'été du bac et les fameuses premières fois si importantes dans la vie de toutes les filles. Je sais pas. Ça, c'est le genre de roman, de livre, que si c'est bien abordé, c'est cute, mais parfois, ça vieillit pas super bien, dans le sens que lorsque t'es plus vieux pis tu lis ça, ça a pas le même impact. Je sais pas quoi penser de ce livre-là. C'est comme un hit or miss, on dirait. Parfois, tu le lis en tant qu'adulte pis ça parle encore, mais parfois, tu le lis pis ça te parle pas en tout. Philibuste, celui-là, m'interpelle, je vous le dis. Juste à la couverture. J'espère qu'il me décevra pas. Un dimanche, après le souper familial, trois sœurs apprennent que leur père est impliqué dans un accident. Il se retrouvera dans la rubrique des faits divers. Delphine, Flavie et Bébé encaissent la tragédie, absorbées par leurs chicanes, les petites et leurs grosses, pleines de ressentiments. La place que chacune occupe dans la famille, la mère qu'on blâme pour tout. Dans Philibuste, le père joue le rôle principal, mais ce sont les femmes qui racontent l'histoire. Je vais mettre dans oui, puis il y a de grandes possibilités que je lise. Burgundy, ça, c'en est un autre que définitivement je veux lire. Nous sommes au milieu des années 80. La petite Mélanie se tient droite devant la misère, la cruauté et l'injustice qui règnent dans son quartier de la petite Bourgogne qu'on appelle Burgundy.
Avec ses cheveux en bataille et sa moustache de jus de raisin, elle enfile les réparties effrontées et hilarantes. Lorsqu'elle et sa famille déménagent sur la rive sud, Mélanie s'aperçoit bien vite que ses manières de ruelle ne s'accordent pas avec l'art de vivre en banlieue. Dans son nouveau milieu, l'enfant maigrichonne cumule les situations cocasses, les amers arrière-goûts de sa pauvreté. La route de l'épanouissement est longue. Avec Burgundy, Mélanie Michaud signe une œuvre à la fois drôle et brutale qui nous permet de replonger avec délectation dans l'époque des Grocery Steinberg, des photos scolaires aux arrière-plans futuristes du chef Boyardi et des céréales Fraisinette. Allons-y pour oui. Sauf que j'ai rien dit de Lily Pinsonneau. Ça a l'air touchant ça aussi. Cette histoire commence un mardi soir de février sur Facebook, se poursuit dans des inbox et des messages textes. Elle parle de scénarios inventés, de faire l'amour pas très bien dans une chambre sans rideau, de soirée entre amis à regarder son sel aux 2 minutes, de s'oublier soi-même. D'amour? Ça, Jolène elle-même ne sait pas. Avançant à tâtons dans une période floue de sa vie, elle s'accroche à son téléphone et à l'idée qu'elle se fait du magnifique Joseph. Avec un humour mordant et une langue contemporaine colorée, Lily Pinsonneau raconte les bons et les moins bons coups de cette jeune femme qui cherche à se réapproprier ses désirs, ses besoins, sa vie. Ça a l'air de quelque chose qui peut me toucher. La petite fille du vendredi 13 de Diane Demers-Roy. Pendant des années, j'ai été prisonnière de mon passé. À l'aube de mes 60 ans, j'ai pris la décision d'écrire ce livre qui se veut non pas un règlement de compte, mais un espoir pour toutes les femmes qui ont dû lutter pour vivre et survivre. Dans ce livre, je mets mon âme à nu. Afin de mieux l'écrire, j'ai pris le temps d'écouter les yeux fermés la mélodie de l'eau qui coule, des feuilles d'un arbre, de sentir le vent. Ce livre me permet d'être le maçon de ma vie. Je laisse prendre liberté aux mots trop longtemps emprisonnés par mon antre intérieur. Des mots qui sont parfois joyeux, parfois tristes, voire même parfois déchirants, écrits dans la plus pure simplicité. J'ai choisi de vivre au lieu de mourir, j'ai choisi la liberté d'aimer au lieu de haïr, j'ai choisi la liberté de grandir au lieu de m'anéantir, et la liberté d'ouvrir mon cœur à la lumière de mon âme. J'ai la nostalgie de mes rêves oubliés, je me suis perdue de vue, et par ce livre, je retrouve ma voix. Oui! Oh my! Alice marche sur Fabrice. Ce livre-là, j'aime bien la couverture, mais il y a le nom Fabrice. Et moi, je suis une grande nostalgique et je connais pas beaucoup Fabrice dans ma vie. Il y en a eu un dans ma vie. Et c'est une des histoires que je vous raconterai peut-être un jour devant un bon petit smoothie ou devant un petit café. C'est de genre de situation que tu sais pas vraiment ce qui s'est passé. Alors ce nom-là, il y a comme une drôle d'empreinte dans ma vie encore. Je sais pas quoi penser de ça. Mais ce livre-là m'interpelle juste parce qu'il y a le Fabrice dans le titre. Alice marche sur le chemin de Compostelle pour oublier Fabrice et elle se sacre du reste. La beauté des champs de tournesol, les villages abandonnés, les retraités sympathiques, les illuminations chrétiennes et les petits chiens curieux, pof. Alice marche, c'est pour ça qu'elle est venue, du moins, c'est ce qu'elle pense. J'aime ça. Accepter. Femme magnifique et dangereuse, mémoire affublée d'une femme trans, by Kay Cheng Tom et Kamala Mackrell. La narratrice du roman, qui ne sera jamais nommée, déplora le manque d'histoires de contes mettant en scène des filles comme elle, des filles trans qui soulèvent des montagnes et pourfendent des créatures fantastiques, entreprend d'écrire l'histoire qu'elle aurait aimé lire, histoire qu'elle basera sur sa vie, tout en se permettant un grand nombre de libertés artistiques. Ça en dit pas grand-chose comme ça. C'est sûr que mémoire affublée d'une femme trans, ça m'intéresse. Par contre, juste avec ça, je sais pas si j'en ai assez. Arnaque à amnésie by Caprice Crane. J'ai pas l'impression que ça va être mon jam. Et c'est en anglais. Il est-tu en français? Ben, il doit être en français, c'est marqué arnaque à amnésie, mémoire. En tout cas, ici, il est en anglais. After being hit by a car, Jordan Lando fakes amnesia and reinvent herself. It's goodbye to Jordan the pushover and hello to the life she's always dreamed of. But then the unthinkable happens and she has to start over for real. Now she must decide what honestly makes her happy and figure how best to live a memorable life. Je sais pas. C'est pas si romance, ça a pas l'air si chiclet. Léa Clermont-Dion crève avec moi. Léa, enfant du capitalisme sauvage à la langue bien pendue, a pour meilleure amie Poupie.
Elles se sont connues à la garderie, ont conclu un pacte d'amitié à l'adolescence, best friends forever, pour la vie. Mais la vie, justement, pourrait en décider autrement. Ça a l'air, il y a la fin, puis ça s'appelle Crève avec moi, hein, fait que... Je suis pas ultra vendue, j'ai déjà lu un autre livre de Léa Clermont-Dion, Les Moches, comment ça s'appelait? Je le trouverai pas, mais je vais vous le mettre ici. La pitoune et la poutine, by Alexandre Fontaine-Rousseau et Xavier Cadieux. Vous souvenez-vous de la fois où Joe Monferrand a payé pour son boire en étampant son pied au plafond? Ou de la fois où il a varlopé une centaine d'Anglais dans une rivière en swingant un Irlandais par le pied? Notre histoire se passe bien après ça. Joe est rendu vieux, puis les lendemains de brosse passent moins bien qu'avant. Mais ça a l'air que quelque part à l'Est, ils ont inventé un remède miracle pour te requinquer le gaillard. Ils appellent ça la poutine. Je suis pas souvent interpellée par des livres comme ça. Puis au final, ils me plaisent quand même bien, mais pour l'instant, je vais me mettre dans peut-être. Beautiful par Daphné B. Beautiful, c'est la fille, la mère, la serveuse, un cocktail qui capte le regard et l'attention, une Cheyenne, une triste vivante, les petites fêlures, le coquillage brisé d'un escargot de quel sort une musique, la franchise obligée, les chances d'être heureuse et capable de souffrir à nouveau. Ce résumé-là me dit un « je sais pas », mais c'est qu'il y a trois livres avec... Oh non, j'aurais pas dû le bouger. Il y a trois livres avec la petite neige en bas, puis j'ai vraiment le goût de lire les trois ensemble, OK? Donc, je vais le mettre dans « oui », mais je pense que c'est pas vraiment « oui ». Je pense que c'est plus un « peut-être ». La philosophie dans le boudoir du marquis de Sade, par Éric Borda. J'aurais dit Bordua, là. Je sais pas si c'est bien écrit, mais ça se peut que ce soit Borda. Étude approfondie d'un grand texte classique ou contemporain par un spécialiste de l'œuvre. Approche critique originale des multiples facettes de texte dans une présentation claire et rigoureuse. Un dossier l'accompagne. Non, merci. Mon fermier rose, de Mélanie Grenier. Je m'appelle Pierre. Ouais, je sais, ce n'est pas vraiment beau. Je n'ai jamais aimé mon prénom. Je commence le secondaire 5 et malheureusement pour moi, ma vie est déjà toute décidée à l'avance. Il a été convenu que je suivrais les traces de mes aïeux. Comme mon arrière-grand-père, comme mon grand-père, comme mon père, je serai un fermier. D'accord, on va dire agriculteur, c'est plus joli. Mais moi, dans tout ça, qu'est-ce que je veux vraiment? Et si la relève d'une ferme, ce n'était pas fait pour moi? Sous la forme de journal intime, découvrez les dilemmes de Pierre dans lesquels s'entremêlent un père inflexible, une sœur aimante, une mère effacée, ainsi que le beau Mathieu et Capucine, la Holstein toute rouge. Je sais pas, je sais pas. En bonnie aussi, je pense qu'il est juste en anglais. Fait que je vais le mettre en nom. Je vais même pas trouver, ben je l'ai trouvé après le résumé. Les deux vies de Lydia Bird, de Josie Silver. Lydia et Freddy. Plus de 10 ans d'amour auxquels un terrible accident met brutalement fin. Face au vide, à l'absence, Lydia se laisse sombrer, incapable de poursuivre le fil de sa vie. Jusqu'au jour où elle accepte d'avaler un médicament pour dormir et le miracle se produit. Elle se réveille aux côtés de Freddy, bien vivant. Alors Lydia se met à vivre pour ses nuits. Chaque soir, elle avale un cachet et vole quelques heures des morceaux de la vie qui auraient dû être la sienne. Et chaque jour, elle s'éloigne un peu plus du monde des vivants. Jusqu'au jour où elle doit choisir entre ces deux vies parallèles, entre ce monde artificiel dans lequel se déroule sa vie avec Freddy et celui dans lequel Freddy n'est plus, mais où tout le reste est encore possible. Je sais pas pourquoi ça me tente pas. C'est parce que c'est très romance, mais en même temps, il y a quelque chose de développement personnel. Je sais pas pourquoi ça me parle pas, ça me tombe pas. Fille de Marie d'Arcigny. Drôle, touchante et crève-cœur, la poésie de Marie d'Arcigny allie nostalgie de fond de tiroir et chant de Spice Girl craqué au vin de dépanneur pour mettre des mots, beaux ou pas beaux, sur l'ordinaire et le quotidien, parce qu'il faut bien se montrer nos affections, lentement mais sûrement. Donc, fille s'en va à côté de Beautiful parce qu'elles sont jolies les deux neiges ensemble. Déclaration de guerre. Victoire divine d'Edith Kabouya. Pour survivre au collège Notre-Dame des Sept Douleurs, il faut connaître sa place. Tu proviens de la famille Duplessis, Wolf ou Cipriani, tu fais partie de la monarchie et tu as le privilège de dicter les lois du collège. Tes parents ont les moyens de payer la totalité de tes frais de scolarité. Tu es membre de la nouvelle bourgeoisie et tu peux te tenir avec la monarchie. Tu as reçu une bourse pour étudier ici. Tu es un enfant de la charité et tu dois mériter ta place auprès de tes supérieurs. Tu as été déclaré intouchable.
Peu importe à quelle catégorie tu appartiens, on ne peut rien faire pour toi. Victoire divine, Kembonaya, oui, à 14 ans. Toutes ses dents et de la répartie pour 100. Élève douée, elle a obtenu une bourse pour fréquenter Notre-Dame des Sept Douleurs, le pensionnat le plus huppé de la province. Des Sept Douleurs, tu sais. Aïe, aïe. Mais cette école n'a rien d'ordinaire. Les élèves y sont maîtres et rois. Chaque année, les plus populaires désignent un intouchable, le souffre-douleur, qui subira le mépris et les moqueries de tous. Victoire ne se gêne pas pour dénoncer cette tradition épouvantable, si bien que, cette fois, l'élu n'est nul autre qu'elle, of course. Contrairement à tous les intouchables précédents, l'adolescente n'a pas l'intention de se laisser faire sans se battre. Une seule solution s'impose, déclarer la guerre. Ça a l'air bon. La seule chose, c'est que je pense pas que j'ai envie de lire des trucs de secondaire, puis de popularité, puis de gang, puis de trucs de même. Mais ça a l'air bon dans ce style-là, puis dans cette catégorie-là, mais ça me tombe pas. J'ai montré toutes mes pattes blanches et je n'en ai plus de Sylvie la Liberté. J'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus, prend la forme d'une longue lettre écrite par l'artiste et autrice Sylvie Laliberté, destinée à son frère mort depuis peu. Elle y raconte son deuil, sa difficulté de vivre sans lui, de le savoir seul parmi les autres morts qu'il ne connaît pas. Elle y raconte aussi leur enfance, cette enfance hors de la réalité, où les a traînés un père parfois délirant, en mal de vivre, à une époque où on évitait de parler des gens qui ne vont pas bien. Dans les banlieues, les enfants de ces hommes souffrants devaient s'accrocher et espérer de ne pas être emportés de force au pays de « ça ne va vraiment pas bien du tout ». T'as touchant. Libérer la culotte de Geneviève Morand et Nathalie-Anne Roy. Après avoir traqué la colère en 2017, les co-directrices de Libérer la colère poursuivent leur relecture libre et féministe des péchés capitaux et s'intéressent maintenant à la luxure. Luxure, non féminin, comportement de quelqu'un qui se livre sans retenue au plaisir sexuel. Depuis la libération sexuelle des années 1970, notre sexualité est-elle vraiment libérée? Est-ce que le devoir conjugal n'appartient qu'à la génération de nos grands-parents? Nos rapports sexuels sont-ils devenus égalitaires? Comment se fait-il que le fossé orgasmique soit encore si profond? Y a-t-il d'autres modèles que l'hégémonie du couple hétérosexuel, de l'asexualité au BDSM, en passant par le polyamour et le consentement enthousiaste? Cette courte pointe de texte d'autrice culottée réclame haut et fort une nouvelle révolution sexuelle, une réinvention de nos rapports intimes. Si le privé est politique, la sexualité est la clé de voûte de véritables rapports égalitaires. Nous réclamons le droit à la jouissance complète de notre vie à notre façon. Si dans Libérer la colère, nous déclarions être des féministes frustrées, nous constatons dans Libérer la culotte que nous sommes aussi mal baisés. Bon, d'accord. Ça a l'air quand même assez puissant. Manger ses émotions de Guylaine Guevremont. Vous n'en pouvez plus de suivre tous ces régimes sans gras, sans sucre, hyperprotéinés, dissociés, qui se contredisent et vous font même prendre du poids? Votre vie ressemble à une suite de privations et de frustrations qui pèsent sur votre morale comme sur votre silhouette. Vous mangez vos émotions, mais vous ne savez pas comment faire autrement pour perdre enfin les kilos en trop. Dans ce livre éclairant, Guylaine Guevremont, nutritionniste de renom, pose un regard différent sur le rapport qu'on entretient avec le corps et l'alimentation. Son approche, simple et éprouvée, fruit de plus de 12 ans de pratique clinique, remet l'humain, et non la tyrannie des régimes, au centre de l'équation. Grâce à des explications claires et à un plan de match assorti de multiples exercices, le lecteur apprend comment vivre sans régime tout en retrouvant son poids naturel. C'est pas le genre de lecture qui me plaît, que je lis, puis c'est comme plutôt pratico-pratique, que moi j'aimerais plus un roman. On a presque fini, il en reste 5. 30 de Marie d'Arsigny. Un autre. L'autre c'était fille. 30. Un nombre qui n'arrivera jamais. Faux. Et s'il arrive, je l'éviterai. Pas réussi. Comme j'ai une fois évité un chevreuil en conduisant sur la route. Le chevreuil courait devant mon auto à gauche, il y avait la rivière à droite, il y avait le fossé. C'est beau la Montérégie. Au lieu de choisir l'un ou l'autre, il continuait d'avancer droit devant, puis il a fini par bondir vers le fossé. Moi, j'aurais choisi l'eau. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'empruntais ce chemin-là, ça me chicotait de savoir que juste un petit coup de volant pouvait m'envoyer dans la rivière. Un jour, on est en vie et un jour, on ne l'est plus. C'est tout. Marie d'Arsigny est écrivaine et vit à Montréal. Elle signe ici le récit puissant d'une femme qui, convaincue depuis toujours qu'elle va mourir à 30 ans, décide de documenter sa dernière année de vie dans un journal.
30 est une litanie obsessionnelle et caustique, pop et savante, criante de réel. Cela me parle moins. Mais dans non, on y va le dans non, on va dans non. Les nouveaux petits souliers dans l'entrée de Amy Lachapelle. Et on m'a vendu ce livre-là. Ben, dans le sens que, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram puis qui veut vraiment que je le lise, puis ça a l'air vraiment touchant. Puis en plus, c'est la maison d'édition Libre Expression que j'aime beaucoup. Donc, puis en plus, il y a la petite neige. Donc, ça va sûrement dans oui, de toute façon. Ma joie se fissure légèrement par la peur. Cet homme qui se joint à nous, avec son passé, ses forces et ses faiblesses, devra se mouler à notre passé, nos forces et nos faiblesses. William attend avec impatience que la famille soit complète, ravi d'avoir enfin quelqu'un avec qui jouer. C'est hallucinant de constater que cette journée est un tournant dans nos vies. Tout s'apprête à changer pour le meilleur, je l'espère, et non pour le pire. Depuis le décès de sa mère, Stéphanie ressent un grand vide dans sa vie, un vide qu'elle cherche désespérément à combler. Après une discussion avec sa grande amie, qui œuvre à la DPJ, elle décide d'ouvrir les portes de sa confortable existence pour devenir famille d'accueil avec son conjoint et leur fils. Ouh là là! Une idée qui créera de petites tempêtes, mais elle apprendra vite qu'au fond, la famille, ce n'est pas seulement une question de lien de sang. Très touchant comme sujet. On met les petites neiges ensemble. La course de Rose de Dawn Dumont. J'ai entendu des très bons commentaires sur ce livre-là aussi. Après avoir perdu son emploi et son mari musicien, Rose Ocanis, mère de deux filles au caractère bien trempé, décide qu'il est temps de s'occuper d'elle-même et de remonter son estime de soi. Son idée de génie, courir le marathon annuel organisé dans sa réserve, et ce, malgré le fait qu'elle n'a pas enfilé de souliers de course depuis 20 ans, qu'elle fume comme une cheminée et que l'optimiste n'est pas sa plus grande qualité. Ce dont elle ne manque pas, en revanche, c'est de spontanéité. Et bien qu'elle regrette au départ de s'être engagée dans ce projet, elle se laisse peu à peu mener par son destin. Celui-ci placera sur son chemin un adversaire inattendu et on ne peut plus redoutable. Un vieux démon bien connu de la communauté, avec lequel elle devra se battre pour conserver son indépendance d'esprit. C'est peu dire qu'en deux temps, trois mouvements, le chaos s'installe dans la réserve. Très intéressant. Et pour le fait que ça se passe dans une réserve, et je pense que c'est on voice en plus, définitivement c'est un oui. Il y en reste juste deux. La femme sans couleur. Sans ou sans, qu'importe. La mémoire appelle les origines mêlant temps, histoire, langue, race et couleur. La révolte gronde. Être une femme est un programme à réviser constamment. La femme sans couleur clame le chant de l'Amérique à brûler ou à naître. Tentant l'expérience neuve et fragile des vents, une voix susurre que les fantômes ne dorment pas. Qui es-tu? La fille du silence? La sœur du déni? Que vois-tu? Des chimères, qu'espères-tu? Hier, née à Montréal, Laurie Jean-Louis a étudié en bibliothéconomie et en littérature, La femme sans couleur est son premier roman. Ça, c'est le genre de résumé qui me mélange plus qu'autre chose, par contre. Là, j'ai l'impression de ne pas avoir compris de quoi ça va vraiment parler. Là. Oh, j'en avais oublié deux. J'ai oublié Brenda et j'ai oublié Bonnie. Donc, Béni soit Brenda de Claudia Goyette. Brenda a tout pour être heureuse, à part son prénom. Elle en fait une obsession, car ce nom l'est, l'enlaidit et l'empêche, croit-elle, d'accéder à une version supérieure d'elle-même. Mais voler le prénom d'une autre n'arrangera pas les choses. Roman comique porté par une écriture vive et gouailleuse, Béni soit Brenda met en scène des personnages réalistes issus d'une classe populaire à la fois intelligent et plein de défauts et qu'on voit trop peu souvent dans l'espace littéraire. Ce que la plupart cherchent à cacher, Claudia Goyette le révèle dans un éclat de rire qui a tout de la complicité amoureuse. Peut-être. Et juste parce que je ne vous ai pas fait de résumé de Bonnie, mais mon anglais, vous voudriez sûrement vous en passer. De Mona Awad. Samantha Heather McKay couldn't be more of an outsider in her small, highly selective MFA program at New England's Warren University. A scholarship student who preferred the company of her dark imagination to that of most people, she is utterly repelled by the rest of her fiction writing cohort.
A clique of unbearably twee rich girls who call each other bunny and seem to move and speak as one. But everything changed when Samantha received an invitation to the bunny's fable smut salon and find herself inexplicably drawn to their front door, ditching her only friend Ava, in the process. As Samantha plunges deeper and deeper into the bunny's sinister yet saccharine world, beginning to take part in a ritualistic off-campus workshop, where they conjure their monstrous creation, the edge of reality begins to blur. J'ai entendu dire que ce roman-là est très bizarre, fait que c'est sûr que ça me plairait pas non plus. Là. Soon, her friendships with Ava and the bunnies will be brought into deadly collision. This spellbinding new novel from one of our most fearless chroniclers of the female experience, Bunny's Down the Rabbit Hole, tale of loneliness and belonging, friendship and desire, and the fantastic and terrible power of the imagination. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, je vais essayer. Oh, il y a petite neige aussi. Satisfaisant. Je vais essayer d'en lire le plus dans ces roses-là, dans ces oui, et on verra ce que ça donnera. De tous les résumés que je vous ai lus, lequel vous interpelle le plus, lequel vous intéresse le plus, et lequel que c'est un gros nom. Est-ce que ça vous tente de me dire ça en dessous de ma vidéo? Ça va me faire très plaisir de vous lire, et on se reparle par la suite pour la suite de cette pépite rose dont je suis à la recherche. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures roses!